chaque matin, 7h30, le boss arrive, c'est juste pour lui. C'est QC grandement préparé pour la rentrée. Les règles sont claires, tout le monde assis, y a pas de gros mots pis pas de niaiserie. De toute façon, y a jamais de problème avec lui. Le gros chauffeur un peu blasé ouvre les deux portes jaunes vitrées. CQ a peur que tout soit comme l'année passée. Il monte les marches, la tête en bas, le boss décolle, tout le monde est là. Il reste une place juste à côté du moins bonasse. Le gros Simard, toujours présent, au secondaire, ça fait 7 ans. C'est lui plus vieux, le plus grand et plus pesant. Un peu plus loin, il pogne TQ, il tasse tranquillement dans un coin. Il tape dessus, le chauffeur lui, il regarde en avant. Enfin TQ, un peu d'espoir, voué apparaître dans le fond d'une fenêtre. L'école qui fait son entrée dans le décor. Il se dit qu'enfin, il va peut-être pouvoir aller voir ses copains. Tout dépendant, si le gros Simard lui a d'autres plans. Chanceux, car en fin de compte, en débarquant de l'autobus, y'a un papa qui est venu reconduire sa puce. TQ prend le chemin le plus sûr pour accourir à toute allure. Et dans sa tête, il se dit que la nuit va être dure. Les cheveux dans le vent, il a oublié sa belle tuque neuve sur son banc. Mais il s'en fout, lui tout ce qu'il veut, c'est d'être en dedans. Mais y'a la chienne quand il se promène, TQ a peur du corridor. Car il sait bien que le gros Simard est à quelque part. Et à la fin de chaque cours, il prend son temps, va en avant, pour aller poser des questions au professeur. Ils n'ont pas toujours le temps d'y parler, TQ est dans leur pause café. Fait qu'eux aussi, ils prennent un air un peu tanné. Mais quand arrive l'heure du dîner, TQ s'y pose garoché. Ses amis sont partis manger à café. Mais lui est mieux rester dans l'ombre puis manger dans un petit coin sombre. C'est ça que ça a l'air, ces belles années scolaires. Heure et demie, journée finie, et TQ est pauvre au bout de ses peines. Il sent son sang se glacer doucement dans ses veines. Le chemin du retour va être long, puis là vous savez bien pourquoi. Il prend une chance, puis il décide de braver le froid. La tête à l'air, les larmes aux yeux, le soleil descend peu à peu. Le gros Simard y envoie la main de l'autobus. Il sait pas trop à quelle heure qu'ils vont arriver à la maison. Avoir le temps de faire ses devoirs et ses leçons. Et à la porte de chez lui, sa mère l'attend, son père aussi. Parle moins d'une heure pour arriver, mon petit maudit. Comment ça se fait que t'as pas ta tuque? Regarde-moi le temps qu'il fait dehors. Fait que là, il se met à y parler du gros Simard. Sa mère en crise s'appelle à l'école pour parler à la directrice. Mais puis là, est parti, ça fait longtemps. De toute façon, c'est pas demain matin que les choses vont se régler. Parce que TQ, il veut plus marcher. Sa mère est là, puis elle console du mieux qu'elle peut. Oublie ta tuque, m'a t'en acheté une deux fois mieux. Ok, mon cœur, le viens manger, j'ai fait ton repas préféré. Après, on va se coller, puis regarder la télé. Et TQ a la tête ailleurs, toujours en train de regarder l'heure. Et t'en passe vite, et plus ça va, et plus y'a peur. Car il sait trop ce qu'il attend demain matin en se réveillant. Un coup dans le cœur à la première heure. La nuit tombée, les yeux fermés, c'est là que TQ se met à rêver. C'est lui plus grand, le plus vieux et plus pesant. Il marche toujours la tête en l'air, TQ est ben, TQ est fier. Le gros Simard s'est transformé en courant d'air. Mais tout à coup,
le cadran sonne, tu qui fait le son, puis se résonne. Les yeux ouverts, la vie est moins bonne. Ces nuits seront jamais assez longues, jour après jour, la vie replonge dans son histoire que personne ne veut savoir.